Oh, mais Abou Benriou n'est pas bête. Dans ce qu'il disait, c'est vrai sur les limitations. Il ne faut pas se laisser limiter par ce qui paraît évident. Sinon, un homme comme moi, où j'allais passer pour devenir président de la République. Mais à un moment donné, tu dis cette limitation-là, ce n'est pas pour moi. Moi-même, je dois me délimiter. Et je dois me battre. Et tu te bats. Dieu nous a créés, nous a mis sur la terre. Mais nous, les hommes, on a décidé d'aller sur la lune pour voir là-bas. Ça, c'est une bonne délimitation. Et on est arrivé sur la lune. Demain, peut-être qu'on peut faire quelque chose sur la lune. Donc, je suis venu le remercier devant vous, devant son peuple. Je suis venu lui dire merci de ne m'avoir pas abandonné. Merci de ne m'avoir pas abandonné. Et tous ceux qui sont passés me voir, je leur dis merci de ne m'avoir pas abandonné. Mais priez-le. Priez. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. C'est faire comme Jésus-Christ. Quand Lazare est mort, Jésus n'a pas dit comme c'est Lazare. Jésus est parti là-bas. Jésus est parti là-bas. Et les parents, les parentes, les sœurs de Lazare croyaient que bon, le frère est mort, c'est fini. Mais que Jésus est venu les saluer. Mais il les a salués et puis il a ressuscité Lazare. Donc, quand tu es dans une prison comme Scheveningen, que quelqu'un qui prie et qui prie avec toi, qui a prié avec toi, tu le vois arriver. Quand on te donne son nom même seulement, déjà, tu es rassasié. Tu es rassasié. Cette journée-là est une journée de moins en prison pour toi. Donc, je le remercie. Je le remercie et je le salue et je l'encourage à faire le travail qu'il fait, à prêcher comme il prêche. Et je suis avec vous. Béni soit le nom de Jésus. Béni tous ceux qui croient en Jésus. Merci. Sanogo. Merci, monsieur. L'homme de Sarcelles. C'est comme ça que je l'appelle l'homme de Sarcelles. Parce qu'il est né à Sarcelles. Merci.